Bonjour à tous et bienvenue sur AquarioTube. Alors aujourd'hui, on va nettoyer mon filtre Cyano CF80 que j'ai pas nettoyé depuis un petit moment. Donc c'est un filtre qui est très convenable pour un aquarium jusqu'à 60 litres, je pense. Ceci dit, je l'ai un petit peu remasterisé. Donc je vous invite à aller voir une vidéo que vous trouverez sur ma chaîne où j'explique un petit peu les modifications du filtre. Bon, grosso modo, j'ai enlevé tout ce qu'il y a à l'intérieur pour le remplacer par de la filtration biologique et j'ai rajouté la mousse à l'extérieur pour pas que mes crevettes puissent y aller. Voilà, donc ce petit filtre, je ne l'ai pas nettoyé depuis au moins 3 mois. Donc à mon avis, il est plus que temps de le nettoyer. Donc je vais commencer par la filtration à l'intérieur qui doit être vraiment sale. Oh oui, voilà, vous voyez un petit peu. Donc c'est très sale, on va le nettoyer en profondeur, on va l'ouvrir un petit peu. Et ensuite, on va pouvoir voir un petit peu aussi la canne pour la nettoyer. Pas celle non plus n'est pas très propre. Je vois qu'elle commence à se boucher. Donc, pour ce qui est de la filtration biologique, je fais que retenir toutes mes billes. Donc vous voyez, j'ai mis plein de billes à l'intérieur. Voilà, donc je fais que les tenir. Et nettoyer comme ça en secouant dans l'eau parce que je ne veux pas vraiment la nettoyer. J'enlève les plus gros dépôts et c'est tout. Ici, on a encore bien bouché. Je pense que je vais pouvoir faire comme ça dans une épuisette. Voilà, ça va me permettre de nettoyer les billes plus facilement. Vous voyez, on remplit quand même pas mal de filtration biologique si on veut un petit peu remasteriser ce filtre, donc il est vraiment sympa, je trouve. Pour moi, c'est un filtre que je recommande. Autant le Cyano CF20, je l'ai déjà eu, il est vraiment trop petit à mon avis pour en faire quoi que ce soit. Mais celui-là, c'est vraiment un filtre qui offre beaucoup de possibilités. Donc, je vais nettoyer aussi la grille. Donc pour ça, une vieille brosse à dents, c'est très simple. On frotte le tour. On frotte aussi un petit peu la ventouse. Et on peut aussi frotter un petit peu à l'intérieur. Et l'état de la brosse à dents. On est sur quelque chose qui en avait besoin. Donc ça fait 3 mois. Je sais que c'est pas forcément bien, mais tant qu'il y a du débit. J'aurais même pu attendre encore un peu. Hop, petit rinçage. Allez, je vais remettre toutes ces billes à l'intérieur. Donc ces billes sont composées de billes en céramique et de billes d'argile. Alors ce n'est pas les meilleurs médias biologiques qu'on trouve sur le marché. Mais franchement, ça coûte 3 fois rien. C'est quand même très pratique à installer. Donc je l'ai très bien rempli. Je crois qu'il y a une ou deux billes qui sont tombées par là. Je vais essayer de les retrouver, mais l'eau commence déjà à être sale alors que je n'ai rien nettoyé. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais nettoyer cette petite mousse. Donc j'ai mis une petite mousse sur le dessus pour empêcher les billes d'aller dans les rotors. Allez, vous voyez, je nettoie la mousse. L'eau devient immédiatement noire. Hein. C'est hallucinant.
C'est une toute petite mousse. Voilà, allez, elle a retrouvé sa jeunesse. Elle ira ici avant le monteur du filtre. Comme ça, les billes ne vont pas dans le filtre. Voilà. Allez, je remets ça à tremper. Avant de nettoyer la grosse mousse, je vais nettoyer ici un petit peu aussi. Donc ici, on a un autre raccord que je peux démonter. Il me semble. Voilà. Donc on a un autre raccord. Et ici, on a l'accès au moteur. Ici, on va faire un petit coup de brosse à dents. Voilà, ça fait pas de mal. Et on peut également venir dévisser ici. Voilà, pour accéder complètement à l'intérieur. Donc c'est un filtre quand même vachement fonctionnel. Ici, on a accès à la petite hélice qui est aimantée. Donc celle-là, je vais l'attraper avec ma pince puisqu'elle est aimantée et j'ai les doigts qui glissent. Voilà l'intérieur. Donc ici, le moteur est plutôt propre à l'intérieur. Donc je ne passe pas de coup, je le remets. Ça, c'est très bien. J'ai juste à revisser ça. Alors ici, on cherche un peu le milieu. Forcément, il y a un petit pion en fait qui va au milieu pour le garder bien centré, pour pas qu'il tourne tordu. Donc c'est la partie la plus dure à remettre. Voilà, c'est remis. Hop, un quart de tour et c'est bon. Allez, ici on va avoir aussi un petit peu de travail dans cette canne. Donc tout se détache, c'est bien fait, c'est très bien fait comme un filtre. Tout se détache et ici j'ai aussi les petits trous qui commencent un peu à se boucher, donc j'ai pour ça un petit goupillon de bébé que j'ai rajouté. Voilà, donc je vais simplement passer là dedans. Voilà, donc ici c'est relativement propre. Voilà, tout ça c'est nickel. On passe un petit coup sur toute la canne avec la brosse à dents. Allez, ici. Tout est remis, tout est propre. On remet le petit bouchon. Voilà, et je peux directement recapoter. Alors attendez, j'ai oublié cette partie. Donc ici, on clipse l'étage. Vous voyez, la mousse est bien. Empêche bien les billes d'aller jusqu'au moteur et là je peux me reclipser. Donc tout ça se fait dans l'eau de l'aquarium bien sûr. Et là c'est parti, j'ai plus qu'à nettoyer ma grosse mousse. Donc là je ne fais que la presser plusieurs fois. Un peu frotter. Donc on nettoie toujours dans l'eau de l'aquarium et pas sous l'eau du robinet parce que le chlore, bien sûr, tue les bactéries.
Donc ici, c'est une filtration mécanique, ma filtration biologique est à l'intérieur. Mais bon, il y a aussi des bactéries dans les filtrations mécaniques, donc dans les mousses. Donc la mousse non plus, on ne la nettoie pas sous l'eau du robinet. Allez, c'est terminé. Je remets ma petite mousse. Au-dessus des grilles, voilà. Et cette vidéo touche à sa fin. Mon filtre est entretenu, donc c'est parfait. Ça va très bien. À mon avis, je suis reparti pour 3 mois. Vous voyez que l'eau est franchement sale. Donc, il avait besoin d'un petit coup de nettoyage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis, je vais réinstaller le filtre et je vous dis à une prochaine fois sur AquarioTube.